Mes amis, bonsoir. Encore avec vous ce soir, moment spirituel. C'est l'énergie cosmique qui vous arrive, l'énergie positive. L'énergie qui vivifie, qui fortifie. Je veux saluer spécialement ce week-end le docteur Jean-Pierre, notre frère Jean-Pierre, notre cher frère Benoît, collaborateur, et docteur Samuel Joseph. Nous vous l'avons dit aujourd'hui spécialement. Nous avons la chance, nous sommes au local de la communauté ancestrale à Miami, où chaque être est un univers pour nous, où on essaie de développer l'être humain pour devenir plus humain, parce que nous avons tendance à perdre l'humaniste qui est en nous. Cette semaine, la semaine Thanksgiving, ou on dirait action de grâce, je vous prie, s'il vous plaît, de laisser de côté tous vos contentieux pour vous libérer de tout ce qui est négatif, pour faire place aux âmes des ancêtres, pour venir célébrer ses remerciements. Je vais vous laisser avec notre cher frère Benoît et notre frère Jean-Pierre. Merci. Mes chers amis, m'a souhaité nous la bienvenue, l'anticauserie s'en a fait aujourd'hui, sur la gratitude. Nous avons une époque fête américaine qui est le Thanksgiving dans Cap-Vini. Alors, je voulais vous parler avec Sœur Donna pour te nous un petit aperçu sur qui gens nous-mêmes dans la culture pas nous que nous fêtons ça. Alors, m'a rappelé nous que Tikozri Sayo vient joindre nous à travers elle écuménique de congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth là qui est représentée par Sœur Donna et de l'Église Rosicrucienne Apostolique qui représenté par moi-même le frère Benoît. Et je dis à tout, nous t'aimer introduire nous au frère Jean-Pierre qui est un évêque de l'Église Rosicrucienne Apostolique. Il est docteur en théologie et il est un Américain qui a servi société que la vive là-dedans à travers communauté ancestrale là qui l'en société américaine. Alors, m'a commencé avec le frère Jean-Pierre que n'a fonti interview bien bien avec lui. Ensuite, n'a pas allé joindre sœur Donna qui va l'expliquer nous qui gens que nous fêter fête de gratitude ça en forme de action de grâce dans culture panouan. Mes chers amis, mais avec le frère Jean-Pierre là, côté que l'Ipral parle avec nous de l'idée que aurait le Thanksgiving. Alors, frère Jean-Pierre, je me dis nous, c'est un Américain. Alors, interview a fait en anglais. Et puis, s'il le faut, m'a traduit pour nous. Mais l'Ipral va nous des détails vraiment sur la période de fête ça et qui ça l'a dit au point de vue spirituel. Well, brother John Peter. Welcome to this little talk that we have every Sunday with Sister Donna. Today we are going to talk about the Thanksgiving holiday. And what I would like to ask you is, what is the real story behind this Thanksgiving holiday? Yes, so the real story is one we may never completely know, but the
kind of mythic and quasi-historical story is that a particular group of European settlers were saved from starving during a winter because indigenous people helped them to have and provide for a food supply. And out of that originated a concept and ritual, quote unquote, of Thanksgiving during this time of the year, which of course is the end of the harvest season and the onset of winter. So in part you could understand that early settlers, quote unquote, from Europe did not have the necessary skills to do that on their own, and therefore again they were assisted by indigenous peoples, and from their point of view, that is the point of view of the settlers, they were giving thanks to their idea of God, deity, for their lives being spared. That's the origins then that became the eventually national practice of setting aside this day, I repeat, at the end of the harvest season, before the onset of winter, for them to give thanks to God for their sparing of their lives. Oh, and in your opinion, because of all the story that's behind what happened during this time, should black people, or should I say people of African descent, celebrate this holiday? Certainly not the same way at all. I think traditionally for persons of African descent, they have celebrated it in some respect in a different way, giving thanks for their lives, giving thanks for their perception and experience of freedom as was understood. But also, more importantly, it became a time for them to get together with family. So that aspect of it became, I think, really important post-enslavement, post-emancipation, etc. On the other hand, the origins of the holiday itself have become so dubious because, ironically, of the descendants and subsequent other Europeans who came here betrayed the indigenous people by continuing to take the land without any real compensation, or even the idea of taking land was wrong, and then transporting and deporting indigenous people from this part of the country into reservations. Those who lived, many died and are in the ground right now in these places, and then others were deported and placed in reservations. So from that point of view, with all that in mind, I would say the African people, or people of African descent, have no reason at all to celebrate it the same way that European people have rewritten the narrative. That if we're going to do anything, it should be related to the gathering of family and the appreciation of our ancestors who survived, actually, the horrors of labor-intensive and capital-intensive enslavement. Wow, this is really good to know. Now, my next question to you is, metaphysically, what happens when people participate in this celebration? What happens when we celebrate this holiday? Good point. You know, the word metaphysics has to do with that which is connected to the physical. It's a preposition with the physical, in the physical, through the physical. So it is not just at all the case that we're engaging in physical activities or celebrating, eating, drinking, etc. But we also are tapping into, consciously or unconsciously, both the origins and the betrayal that is represented by this day. Therefore, we must do things to rectify all the wrong that has been done. As I've shared with you, I myself, for the past two decades, have not celebrated Thanksgiving the way that it's typically done, but rather, I spend the day fasting and in prayer from sun up to sundown. I have ancestry that is African, indigenous, and European. And for the indigenous, I give thanks that they were here first, that they were here preparing the way, not to be eliminated, but preparing the way for expansion, extensiveness of life. I give thanks that they did endure the best they could under dire circumstances. I give thanks for those who are in my DNA. For the African ancestry, I give thanks equally so for their survival of the Middle Passage, their survival because they cultivated the crops that Europeans, quote unquote, subsequently used for their celebrations. And so I give thanks to those two
wings of my ancestry in a very appreciative manner. For the European ancestry, I do penance because they're inside of me too, and there are many of them, all those who were the betrayers and the usurpers and the ones who replaced the indigenous people and brought as captives the African. So it's a day of repentance in that respect of my ancestry. Then, as I said, I go at the end of the day and I have a very light meal where I live. And that concludes Thanksgiving for me. So it is both a day of appreciation for my indigenous and for my African ancestry, and a day of penance for my European ancestry. And I have found for me that that is a more holistic approach to how the day is set aside, because I've taken the opportunity to give it another meaning that is more relevant for my own personal and family connection and my ancestral connection. I don't deny any of it, but notice each aspect of it puts me in a different posture. That is not simply about celebrating, it's also about commemorating. And finally, Brother John Peter, through your ministry, how do you recommend that spiritually minded people behave during this holiday? One of the things most recently, as you might be aware, is on the Triduum of All Saints Eve, vulgarly called Halloween, All Saints Day and All Souls Day, I guided my students through a practice of, again, ancestral reconnection. And I mentioned to them that on this particular day we're referring to now, that at the very least, as they prepare their meals, they should also set aside a prepared meal for the indigenous people to give thanks, that they were here first to give thanks of how they prepared the land, and to give thanks and appreciation for all that they did for millennia before Europeans arrived. Some Africans were already here, of course, but millennia before Europeans arrived. And to set that table with that plate on it and take time to not only thank, quote unquote, their concept of the deity, but to thank the people who were here. And again, that way, I want my students to recognize the holism. Not just the good things we like to remember, but also the dark side of what happened. And to not buy into the one-sided narrative that is promoted by those who took the land. Well, Brother John Peter, I wanted to thank you on behalf of our listeners. This was very, very educational. And I hope that this is one of many interviews that you'll be granted to the Haitian community as we continue our work of educating them into the ancestral tradition. Wonderful. I'd be happy to do so. Thank you. Bon, mes chers amis, kounia nou pral fè interview avec la sœur Donna sur époque Thanksgiving nan et ki jan ke nou menm nou célébré li nan culture pa nou à travers de différentes actions de grâce. Alors, m'pa pral parler trop, m'a quitté sœur Donna ba nou plus détails. Alors sœur Donna, bienvenue dans ti causerie ça n'a fait jodi a et m'a demandé pour comme première question, est-ce que nous même dans société, dans culture haïtienne, nous gagnons une façon pour nous célébrer ça américain relé Thanksgiving ou jour de remerciement? Oui, parce que leur vini dans une communauté, un côté, une zone au obligé suivre dans les principes diplomatiques, etc. Suivre, même sa peuple a suivre là. Ça pas dit que Paul a quitté ou qu'a ajouté la donne. Par exemple, ce que je suggère, ce que nous autres aussi, communauté ancestrale, l'ont fait, c'est jour Thanksgiving, ça nous représenter tout manger en cette chose qui remet manger. Tout ça qui remet. Et tout ça qui était apprécié, nous représenter le pour eux. Et n'oubliez pas, nous chaque qui fait partie communauté ancestrale là, sous table là, n'a pas un couvert qui pas touché à manger la donne au nom des ancêtres de ceux qui sont partis. Et sœur Donna,
excusez-moi, mais la culture pas nous, hein? Qui j'en nous exprimer remerciement nous? Oh non, Feli, c'est le walakou la caille. Ou bien on descend dans l'habitation. Il y a des gens qui font chaque année. Il y a des gens qui disent bon, chaque 3 ans, chaque 2 ans. Le descend dans l'habitation, en bas pied bois, nettoyer tombeau, grand-parents te gagné, tout démembré. Parfois même, ils font rêve, ils ont été crasés, ils viennent dire pour rebagailler. Donc, essayer yo rebâti de membria et puis tout moun chita gros bagay fait bête tuyé tout moun mette ensemble et ça ka prend de 3 à 21 jours y a bay manger y a recevoir y a bagay malheureusement nou gen des haïtiens qui di ah c'est diable y a bay manger mais hey c'est recevoir y a recevoir esprit ou recevoir la croix, recevoir un cercle, recevoir tout et pour dire merci de ce que vous avez envie. Merci. Parfois, chaque année, vous avez un bête, vous remplacez une vie que vous avez perdue dans la famille. Ça, c'est très important pour nous connaître. Sœur Donna, merci pour un petit poule, ça, vous avez. Et, maman, est-ce que l'innécessaire au point de vue spirituel, pour exprimer gratitude vers ancêtre ou bien vers prochain tout. Oh mes amis, ça c'est le centre de la spiritualité. Donc si ou pas qu'à lever matin pour garder soleil là, pour garder la lune, pour garder et plantio, pour la nature, pour remercier lui. Donc bah ouais, c'est d'ailleurs c'est premier plan de la spiritualité. Quelqu'un qui est spirituel, c'est dans ça même les commencer. Et s'il pas suivre spiritualité ancêtre, il pas gain spiritualité. Et un monde qui pas gain spiritualité, le niveau de conscience est très bas, il pas gain conscience tout. Alors, m'a pose une dernière question en sœur Donna, ça c'est pour toutes amis qui attendent nous yo. C'est que qui plan que la communauté ancestrale a gagné pour lui épanouir étude li ou enseignement li ou pour plus haïtiens capable bénéficier pour capable changer vie pour capable grandir spirituellement. Eh bien nous gagnons différents plans. Plan que nous gagnons c'est nous ouvrir porte nous bras nous cœur nous avec chaque être humain qui t'a aimé fait partie communauté ancestrale là et les au contact au frère Benoît n'a pas capable bailler au plan qui Jean déjà dans média nous commencer faire un travail nous pas capable faire largement parce que il y a la participation de du corps cosmique là faut là-dedans. Mais nous commençons à dire, ou pas oublier, plan premièrement, c'est le triangle de la vie, c'est qu'on tête ou, accepter tête ou, imposer mon nom. Et nous croyons avec 3 bagages ça ou seulement, nous, chaque monde qui a une chance, tendez nous, un changement qui est capable d'opérer dans nous. Merci. Alors, moi, monsieur Ampil, sœur Donna, nous pas prêter trop longtemps. Et comme nous tendez, mes chers amis, communauté a grand pile bagaille que le préparer pour nous. Et me souhaiter que si nous intéressés, si nous t'a ressenti besoin pour vie nous t'a améliorer, pour t'a plus aller dans la trajectoire que nous t'a remis ou aller à, que nous t'a contacté nous pour nous t'a fait nous connaître de activités que communauté ancestrale a préparé pour année qui venir. Hein. Et en attendant que nous rejoignons dans l'autre causerie, chers amis, m'abdi nous, à la prochaine.